is a fifth dimension, beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight Zone. Bienvenue sur la Terre. Alors, le Surnatéum, on pourrait dire que c'est un musée qui s'occupe à rechercher les traces historiques de l'origine des mythes contemporains. C'est vrai qu'il y a d'énormes références à Indiana Jones en titre de clin d'œil, mais on va avoir une collection sur le vampire et son origine au XVIIIe siècle, sur les fantômes et les spirites au XIXe, sur le loup-garou, sur la sorcière, sur les fées, particulièrement les premières photographies de fées, je veux dire les moments où un phénomène entre dans nos mythologies anciennes ou contemporaines. Only an animal could do that to a man's throat. Jack, what are you trying to do? Scare us half to death? What are you holding back? It wasn't an animal that killed Joe. The same goes for Clovey. Alors, ceci est un mousquet de loup-garou datant de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Je dis bien de loup-garou et non pas pour chasser le loup-garou. Un village est entièrement massacré par un ennemi. Tout le monde est mort, sauf un gamin à qui on a coupé les mains et les pieds. Et puis l'ennemi s'en est allé, mais se dit qu'au fond, ils ont été encore beaucoup trop gentils avec le gamin, ils reviennent pour l'exterminer. Pendant ce temps, une louve, qui s'appelle la Zena, s'empare du gosse et va le cacher, va le mettre en sécurité, un peu comme dans la mythologie de Romulus et Rémus. Le gamin guérit de ses blessures, grandit, et comme il n'a pas d'autre copine que la louve, il lui fait 10 enfants, qui seront donc des loups-garous. Welcome to my house. Count Dracula. I am Dracula. Enter freely and of your own will. Pour résumer quelque chose qui pourrait prendre des heures à expliquer. Dracula est une œuvre de fiction écrite par Bram Stoker et publiée en 1897. Mais le livre qu'il écrit se base sur un événement réel, historique, du XVIIIe siècle. Un rapport arrive à la ville de Belgrade, signalant un cas d'épidémie dans un petit village, pas loin de la capitale, qui s'appelle Medveja. En décembre 1731, un médecin du nom de Glaser se rend dans le village et constate qu'il y a un nombre important de morts depuis quelques mois, c'est-à-dire une dizaine de morts dans un temps très court, ce qui semble donner lieu à une maladie épidémique. Il examine les habitants du village, se rend compte qu'ils sont mal nourris et surtout qu'il raconte qu'il y a un vampire dans le village qui les tue systématiquement depuis quelques mois. Très vite, Belgrade envoie une deuxième équipe avec 3 médecins militaires qui sont les meilleurs médecins de l'époque, les types les plus
professionnels qu'on puisse voir. Ils soignent des gens tout le temps. Et eux vont faire déterrer toutes les tombes des gens qui sont morts dans cette période. Et il y a déjà 17 tombes. Dans ces 17 tombes, ils vont trouver 10 corps qui sont non décomposés. Or, la caractéristique fondamentale d'un corps non décomposé ou d'un vampire, c'est justement qu'il ne se décompose pas. Il va falloir éliminer le vampire dans sa tombe, lui planter un pieu dans le cœur, lui couper la tête, brûler le corps et jeter les cendres dans la rivière. Et ce sera l'origine du mythe du vampire qui va arriver comme maladie dans nos traditions.